On a l'habitude de voir des organisations s'enrichir sur le dos des producteurs. Vous voyez le combat que nous menons aujourd'hui en mettant en place dans une autre spéculation agricole telle que le café-cacao, en créant l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, où nous faisons le constat que ce sont 6% seulement des produits transformés. La valeur de ces produits-là, ce sont 6% seulement qui reviennent aux producteurs. C'est une exploitation de l'homme par l'homme. Ici, lorsque vous faites le ratio, on a parlé de 50 milliards à côté d'un chiffre d'affaires de 450 milliards. C'est un grand effort qui a été fait et que nous devons de saluer.